Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de mots et de pensées. Les mots ont un pouvoir créateur d'une puissance inouïe. Les mots que nous utilisons, que nous entendons, que nous entretenons au cœur de nos pensées ont un pouvoir singulier. Ils tracent le chemin de notre destinée. On dit la pensée est créatrice. Cependant, la pensée découle des mots que nous utilisons et du vocabulaire que nous cultivons. L'enfant apprend à parler afin de pouvoir penser, car la parole se forme pour la faculté de penser et avant elle. Lorsque nous nous retirons en nous-mêmes pour penser, nous utilisons les mots, nous nous parlons intérieurement. Qu'il s'agisse d'un dialogue ou d'un monologue, nous sommes en train de nous parler à nous-mêmes ou de parler aux situations qui nous occupent. Nous nommons nos douleurs, nos plaisirs, nos conflits, nos joies. Dans cette activité spontanée, nous sommes la plupart du temps peu conscients de leur puissance et de leur impact. Les mots que nous utilisons portent chacun une énergie particulière, énergie qui ne découle pas forcément de l'usage commun. Certains mots éveillent des émotions agréables, d'autres désagréables, parce que c'est l'expérience de ce qu'ils représentent qui demeure attachée à eux, sous la forme d'une émotion ou d'un sentiment. Le mot est un écrin qui reçoit l'énergie de notre expérience et de nos perceptions. Il est comme la coque qui contient le fruit. Certains fruits sont bons et comestibles, d'autres sont mauvais et toxiques. La coque y est étrangère, c'est la sève dont le fruit s'est gonflé qui fait la différence. La sève de nos mots, la sève de nos expériences avec les mots. Le mot est un emballage dans lequel nous avons mis le fruit de nos expériences. L'emballage peut être joli, le contenu, lui, d'une laideur repoussante. Ainsi, pouvons-nous parler à nous-mêmes avec amour en utilisant des mots impertinents ou nous parler avec haine en usant de mots sages? Si l'on a passé sa vie à souffrir d'un manque d'amour, il est probable que ce mot éveille en nous une douleur plus qu'une joie. Certains mots peuvent être insupportables parce qu'ils ont été traumatisants en raison de leur valeur culturelle, sociale ou familiale, ou parce qu'ils sont perçus comme aliénants. Avec quelle sève avons-nous gorgé nos mots? Tous les mots que nous utilisons ont-ils reçu une précieuse et substantielle nourriture? Certains se sont-ils desséchés, privés d'un suc nécessaire? D'autres se sont-ils remplis d'une sève amère ou d'un fiel destructeur? Les mots toxiques que nous prononçons peuvent avoir été entendus, répétés, assénés, jusqu'à susciter des pensées de peur, de haine, de désespoir, de division. Ces mots-là flottent dans la conscience familiale ou collective, tels des bernicles, prêts à ventouser nos propres dialogues intérieurs, et si nous n'y prenons garde, ils ont au fait de penser à notre place, à travers nous, malgré nous. Sommes-nous d'ailleurs toujours sûrs que ce que nous pensons vient de nous,
que les mots que nous utilisons sont bien les mots que nous avons choisis. Certains mots répétés depuis notre plus tendre enfance ont même réussi le tour de force de nous tromper sur qui nous sommes, de telle sorte que nous pouvons finir par nous surprendre à nous traiter nous-mêmes de nuls, d'incapables, de mal-aimés, de parasites, d'égoïstes, et d'en éprouver fatalement l'amertume, la tristesse, la honte, la colère qu'ils ont suscité. Personne d'entre nous ne peut rien être de cela. Ce que nous disons de nous-mêmes, de la vie, des autres, des circonstances, fonde la route que nous empruntons. Nos mots sont comme les pavés de cette voie vers notre destinée. Ils nous conduisent aux événements qui vibrent avec la même énergie que les émotions qui leur sont attachées. Si nous n'arrivons pas à nourrir certains mots de belles énergies, alors peut-être devrons-nous nous résoudre, momentanément du moins, à retirer quelques pavés et à marcher sur une route cabossée. Mais nous nous serons défaits de ceux qui nous entraînaient vers ce que nous ne voulons pas. Nous sommes chacun des êtres de lumière et d'amour. Et si les mots nous ont éloignés de notre réalité, nous pouvons la retrouver en créant le chemin des mots pacifiques et aimables qui nous ramènent à elle. Nous avons sur le bout de la langue, qu'elle soit utilisée pour dire ou pour penser, un outil extraordinaire qui peut transformer notre vie. Nous avons littéralement la capacité de métamorphoser les circonstances auxquelles nous faisons face lorsque nous apprenons à user d'une bonne sève pour nourrir nos mots et que nous élaguons ceux qui nous empoisonnent, que nous les retirons de leur coque afin de la combler d'une perception nouvelle. Certains mots sont magiques. Je peux. C'est possible. Ils peuvent amener une guérison progressive, un redressement de la dignité, une ouverture nouvelle à la vie. Personne ne peut réussir l'exploit de passer d'un jugement négatif à un sentiment positif en un seul instant. Le processus est progressif. Il appartient au choix des mots qui nous aideront sur notre nouvelle route. Ces mots-là sont ceux qui nous font vibrer haut, quelle que soit leur nature, parce qu'ils suscitent de l'émotion ou un sentiment positif. Nous pouvons les utiliser en réponse aux mots qui vibrent bas, non pas pour les remplacer, comme les berniques les adhèrent bien trop fort, mais pour nous permettre de focaliser notre attention sur une autre énergie. Nous avons la puissance obsessionnelle de certaines pensées ou de certains mots. Plutôt que de les subir, nous pouvons choisir de développer, face à cette puissance obsessionnelle, une aspiration persévérante et magnifique pour ce que nous aimons, pour ce qui nous fait vibrer, pour ce qui nous lie à la lumière que nous sommes. Peu à peu, pas après pas, souvent comme des mantras. Au début, il est possible d'avoir le sentiment que les mots anciens dont nous ne voulons plus se rebiffent et deviennent plus forts. Ce n'est que momentané. Car nous apprenons ainsi à muscler notre lumière. Et peu à peu, à travers les mots choisis qui nous font vibrer, nous faisons circuler la sève nouvelle de notre cœur qui viendra mûrir un vocabulaire fait de mots créateurs et alchimiques.
Alors, nous cheminerons sur une route faite à notre image. Nous marcherons sur les mots et les pensées d'une destinée désirable. Et peu importe les circonstances rencontrées, nous serons devenus capables de faire vivre le fruit sous la coque des mots. Nous aurons retrouvé le pouvoir de notre verbe créateur et nous ensemencerons les terres anciennes avec les fruits de l'ère nouvelle.